Jack pour la chaîne Extérieur Pro. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois où je ne serai pas chez moi. Je suis toujours en région parisienne. Aujourd'hui, je vous ai amené dans une vieille maison forestière. La dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas de portail, parce que vous voyez là, ils ont mis un gros portail. Donc on pourra pas passer. Je suis déçu parce que je voulais absolument vous montrer. C'était sympa. Voilà un petit peu comment c'était. Il y a des étages et tout, mais bon, on pourra pas voir aujourd'hui, c'est pas très grave. Je voulais quand même vous montrer un petit peu les forêts de Sénart, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc on va aller dans un chemin forestier là-bas, voilà, pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc je vous reprends tout de suite après. Là, je me suis enfoncé un peu plus dans les forêts de Sénart, un peu plus loin de l'autoroute, ou de la francilienne d'ailleurs, je crois que c'est. Pour qu'on soit bien au calme. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en banlieue parisienne. Et en banlieue parisienne, là, je pensais vraiment que ce serait bien de vous montrer un petit peu la forêt de Sénart. Bon, pas forcément beaucoup de monde connaissent. Peut-être que si je vous dis Carré Sénart, peut-être que voilà, c'est un centre commercial assez important. Enfin bref, on est pas par... attendez, parce que là j'ai dû me tromper de chemin. Alors attendez, je réfléchis. Parce qu'il y a très très vite fait ce paumé, hein. Il y a plein de chemins qui partent de partout. Attendez. Ouais, on va viser de prendre par là. Bon, au cas je vais vous prendre dans la forêt. Donc je disais, voilà, donc sur le chemin où on était avant. Les forêts de Sénart, donc les chemins où on était avant, c'est vraiment des chemins incontournables. C'est-à-dire que si vous voulez rejoindre la ville de part en d'autre, il faut passer par ces chemins, c'est vraiment les chemins les plus courts, quoi. Donc là, on peut, voilà, comme vous voyez, on peut s'aventurer un peu plus dans la forêt. Voilà, donc la forêt, ça reste très sympa aussi. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ont fait des bosses. Ce que j'appelle des bosses, c'est des espèces de petits sauts un petit peu où voilà, on peut sauter au dessus quoi. Vous savez ce qu'on va faire, je veux pas qu'on s'enfonce trop loin parce que on va faire de demi-tour. Vous voyez ce que je vous disais, voilà, il y a des gens qui créent des boss et ils créent des cabanes aussi. Bon, c'est sympa, hein, moi j'aime assez bien, voilà, c'est donc on va sortir de là. Et donc attendez, parce que je vais sortir de la forêt, comme ça vous m'entendrez mieux. Donc je disais, oui, c'est un chemin pas incontournable, il y a toujours beaucoup de monde qui vient. Donc voilà, c'est vraiment super si vous voulez vous promener un petit peu, être un peu à l'écart de la ville. Voilà, c'est vraiment un bon moyen, sauf si, voilà, si vous connaissez pas, vous risquez de vous perdre. Donc je vais vous amener dans un autre endroit qui est un peu mieux, mais qui est à l'autre bout de là. Donc je vais vous faire une ellipse. Et attendez, j'hésite. Soit je vous fais une petite ellipse, soit je vous fais un accéléré. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ellipse et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. J'ai déménagé le vélo, hein. Je vais vous montrer la tête après, mais... merde. Simplement vous montrer un petit peu la tête du
mais au moins j'en ai un. Histoire de... Wow. Histoire de tourner un peu avec. Je vais vous reprendre sur le chemin normal. Donc je vous dis, ok, je vais vous reprendre la forêt. Donc toujours forêt de Sénart. Voilà. Après le petit passage que je vous aurais mis dans la forêt, j'ai fait pas mal de bords avant de trouver ce petit chemin tranquille. Donc voilà, là on est vraiment dans... on est vraiment enfoncé dans la forêt de Sénart. Et on retrouve de partout des petits chemins qui vont à droite à gauche. J'aurais aimé vous montrer un petit peu le sort de parcours, les boss de cross. Qui est un peu de partout, malheureusement ça servira un peu à rien parce que je suis pas vraiment avec un vrai VTT. Je suis pas habillé pour. Donc voilà, c'est plutôt une forêt un petit peu. Enfin une forêt. Plutôt une vidéo un peu tranquille, une sorte de petite balade. Voilà, de toute façon ça va pas être vraiment très très long parce que je vous le redis dans cette vidéo, mais normalement vous l'aurez vu dans la vidéo de Wave. Voilà. D'ailleurs on va s'arrêter, on va faire un point. Voilà, là c'est pas mal là. Je marche en même temps avec vous. Donc je vais réexpliquer depuis le début. Donc je ne suis pas chez moi, donc ça vous le savez déjà. Et je ne serai pas de retour chez moi avant, en fait à la fin de ces vacances de Noël. Donc ce qui fait que je pourrai pas vous tourner d'autres vidéos. Enfin, je vais tourner d'autres vidéos de mon côté, mais je pourrai pas vous les sortir parce que à partir donc dans 3 jours après Noël, le 26, je n'ai plus de wifi puisque je repars. On va sur la côte basque où je vous ferai des vidéos, je vous tournerai des vidéos notamment en wave et aussi en vélo. Pour ça vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais je ne pourrai pas vous les sortir parce que je n'aurai pas de wifi. Alors vous allez me dire, tu aurais pu prendre une clé 3G, clé 3G je n'ai pas. Enfin quoi qu'on en a une, je verrai. En tout cas, c'est pas sûr que je vous en sorte. C'est les deux vidéos de Wave et de VTT qui sortiront aujourd'hui. Aujourd'hui, donc celle de Wave a déjà dû sortir à l'heure à laquelle je vous parle. Mais celle de VTT sortira soit demain, donc jeudi, donc le 24, soit aujourd'hui le 23. Je pense qu'il sortira le 24. Je dois sortir le 24, le temps que je le monte, je vais pas me mettre la pression. Et puis donc, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter de la vidéo, les blabla habituels, à vous abonner. Et puis, vu que c'est la dernière vidéo que je vous sors, j'avais déjà dit ça avec le VTT dans les Vosges, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2016. Puisque voilà, je pense que c'est la dernière vidéo de l'année 2015 que je vous sors. Voilà, c'était Captain Black pour la chaîne Extérieur Pro. Et donc, joyeux Noël et bonne année.